C'est la toute première collecte de déchets alimentaires organisée par Anma Saglo. 5 conteneurs tests ont été mis en place dans un quartier de l'hypercentre pour une phase d'expérimentation. Une initiative qui vise à terme la réduction de déchets par habitant. Cette phase d'expérimentation, ça va peut-être être aussi l'occasion de déplacer les bornes si jamais elles ne sont pas positionnées à des endroits qui conviennent forcément pour la collecte ou pour les habitants. Et une fois que cette phase d'expérimentation qui dure un an sera terminée, on fera un petit peu le point pour voir comment ça s'est passé. Et éventuellement, si ça s'est vraiment bien passé, on pourra étendre à tout l'hypercentre d'Annemasse toutes ces bornes. En 2024, si ça se passe bien, on devra en avoir environ 70. Une fois les déchets de la tournée récoltés, nos agents de collecte se rendent à l'exploitation agricole de Loïc Détruche à Végy-Foncenay. Ici, le fruit de la collecte n'est pas considéré comme un déchet, mais comme une véritable ressource. Ces biodéchets qui sont collectés sur Annemasse agglomération vont servir à produire du biométhane dans la cuve verte qui est juste derrière moi, le digesteur. Donc production de biogaz qui est ensuite injectée dans le réseau de gaz de ville. Ensuite, la matière ressort, est stockée dans les autres cuves qui sont sur le site. C'est du digesta qui sert d'amendement aux cultures et aux prairies de l'exploitation agricole. Mais encore faut-il que les habitants soient informés du dispositif mis en place. Durant toute une semaine, Anma Saglo a effectué une opération de sensibilisation auprès de la population. Bonjour madame. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Antoine, je travaille pour Anma Saglo. Oui. Vous avez peut-être vu une information qui concerne le tri des déchets alimentaires. Le tri des déchets alimentaires, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui en France. C'est vraiment tout nouveau. C'est pas une habitude qu'ont les Français, comme par exemple le tri du verre qui est assez ancré dans les gestes. Donc il est important qu'on fasse connaître le fait que oui, les déchets alimentaires doivent se trier. C'est une ressource parce que pour les gens, ils n'y pensent pas forcément. C'est quelque chose qui part très facilement à la poubelle grise finalement. Cette expérimentation devrait permettre de récolter entre 27 et 60 tonnes de déchets durant l'année 2023.